Enzo, félicitations. Victoire en Coupe de France en moins de 75 kilos, ça doit faire du bien. Bah, tout d'abord, merci. Ouais, franchement, ça fait du bien. Bah, c'était ma première Coupe de France en moins de 75 kilos. Bah, voilà, j'avais changé de catégorie à la suite des championnats du monde à Dubaï l'année dernière, en novembre dernier, où j'étais en moins de 60 kilos. Donc ouais, première Coupe de France en moins de 75. J'arrive, je gagne, ça fait plaisir, c'était pas évident. Il y avait de grands opposants aujourd'hui. Et c'est toujours bien, ça fait plaisir d'avoir gagné aujourd'hui. Au niveau des sensations, ça y est, là tu t'es fait à cette nouvelle catégorie? Non. non. Aujourd'hui je me suis très bien senti. C'était encore une fois, c'était très dur. Tour par tour, je suis monté en régime tour par tour, c'était important, mais non, très, très grosse catégorie. Quels sont tes axes de progression prioritaires? M'améliorer sur les jambes, c'est important. C'est quelque chose que j'ai commencé à bosser, notamment à partir de cet été. Et ça commence à payer, mais y a encore pas mal de travail. Après, bon, y a beaucoup d'autres axes de travail à travailler avec lesquels on va bosser avec mes entraîneurs. Félicitations, merci à toi.